Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler du phénomène du cube sur Fortnite. Donc oui, mercredi le cube a explosé à Loot Lake et ça a pris une ampleur incroyable. Même si je sais que c'est la fin de la saison 5 et qu'il vient bientôt y avoir la saison 6. Et donc du coup, que s'il y a le cube qui explose, ça veut dire que c'est la fin de la saison 5. Mais non, hein, ce serait trop simple, hein. Mais là, je vais plutôt critiquer le fait que tout le monde dit que ce cube allait exploser à Tilted, même si au passage il a détruit un bâtiment, mais il n'a pas explosé à Tilted, donc on va critiquer tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite, Tilted Towers est la ville la plus peuplée, si on peut le dire comme ça. Et donc du coup, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur Fortnite, comme par hasard, je ne sais pas, une météorite, par hasard, je ne sais pas, un cube, et bah ça doit être sur Tilted Towers. Alors que tout le monde sait très bien que si Fortnite fait ça, il y aura plein de personnes qui quitteront le jeu. Et aussi, il y a quelque chose d'autre. C'est que sur ce phénomène, il y a plein de gens qui disent que la saison 6 sera des volcans, parce que, bah, on ne sait pas en fait, nous ne savons pas pourquoi. Et donc, du coup, tout le monde fait une vidéo, oh la saison 6 ça va être des volcans, oh j'ai débloqué le pass de combat, pour faire plus de vues, hein, parce que voilà, des petits exemples qui s'affichent maintenant, des petits exemples qui s'affichent maintenant, des petits exemples qui s'affichent maintenant, des petits exemples qui s'affichent maintenant. Hey les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu dont il ne faut pas dire le nom, sinon on reçoit une horde de dislikes. Je parle bien sûr de Fortnite Battle Royale. J'espère que vous pétez la forme, les potes. Moi, pour ma part, ça va nickel. Du coup, on va commencer du coup. Le titre, c'est comment avoir Fortnite Android. Alors déjà, si vous n'avez pas le 8.0, je vous dis dégagez. Non, mettez un pouce bleu, puis partez. Parce qu'il faut avoir le 8.0, Android 8.0, je vous explique. Paramètres. À propos du tel. Information sur le logiciel, version Android 7.0. Voilà. Et du coup, il faut avoir la 8. Bref, on commence. Alors, comme Epic Games nous l'a annoncé, ils ne sortiront pas leur jeu sur Play Store parce qu'ils n'aiment pas. Donc, tu tapes Fortnite dans le Chrome pour tomber sur le site d'Epic Games. Donc là, on tombe sur le site d'Epic Games. Voilà. Il est joué gratuitement. Même carte, même système, voilà, il vous parle. Du coup, il faut que l'installer sur ce site. Sinon, c'est un hacker ou un truc du genre, un virus, bref. Pour commencer, voilà. Donc là, il t'explique. Télécharger. Bon, moi je télécharge pas comme il est déjà téléchargé. Après, ça va vous mettre ça. Installateur de Fortnite, là. Tu vous cliquez. Voilà. Après, il vous met si votre périphérique est compatible ou non.
Moi non, peut-être que je prends 8.0. Donc voilà. Ça va être la fin de ce tuto. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!